amis. Nous allons aujourd'hui parler d'un genre de nanar bien particulier, le nanar dans le déni. Alors qu'est-ce qu'un nanar dans le déni? Eh bien écoutez, il s'agit d'un nanar qui coche a priori toutes les cases du nanar, mais dont le traitement ultra premier degré, sans aucun recul, et les acteurs au sérieux papal, prouvent que les principaux intéressés sont persuadés de jouer dans un bon, que dis-je, dans un grand film, malgré un budget avoisinant probablement 43,50 €. Et à ceux qui douteraient de mon chiffrage, vous rirez moins tout à l'heure. Bon, alors, pour moi, tout commence un week-end de dèche, où ma fille me parle, elle est passionnée de légendes urbaines, me parle de la poupée Robert, une histoire prétendument vraie, ayant eu lieu au début du XXe siècle, et concernant une poupée maudite, qui aurait été offerte à un enfant de bonne famille par un serviteur voulant se venger. Voilà, alors à l'époque, de nombreux témoins ont attesté avoir vu la poupée bouger, faire du bruit dans le grenier dans lequel elle séjournait. Voilà. Alors, pour information, voilà la chose en question, je reconnais qu'elle est passablement flippante. Et pour les plus curieux, sachez qu'elle est aujourd'hui exposée dans un musée. Alors, sachez que cette histoire a inspiré le film Child Play, sorti en France en 1987 sous le titre Jeu d'enfant, et qui constitue le premier volet de ce qui deviendra plus tard la saga Chucky. Voilà. Alors, il s'agit d'une série B nerveuse et qui a plutôt très bien vieilli. Mais bon, revenons à nos moutons. Ma fille m'annonce que Netflix a dans son catalogue un film consacré à la poupée Robert. 10 minutes plus tard, nous nous retrouvons devant ce Robert Reborn, sans savoir qu'il s'agit en fait du dernier volet d'une saga qui comprend 5 films, tous disponibles sur la plateforme, et tous réalisés par un certain Andrew Jones, dont nous reparlerons un peu plus tard. Pour l'heure, ma fille et moi sommes hallucinés devant ce nanar incroyable, sidérant, parfois même limite prétentieux. Voilà, on se rit, on se pince, on ne peut pas croire une seconde qu'il ne s'agisse pas que d'un gros gag. À la fin des 1h17 de métrage, truffé de conneries involontaires, la messe est dite, ce Robert Reborn est le truc le plus fauché que j'ai jamais vu sur un écran, qu'il soit domestique ou pas. Bon, écoutez, assez parlé, dépiautons la bête. Début par un prologue qui nous permet de faire connaissance avec la dite poupée. Prologue filmé dans un noir et blanc classieux et qui se déroule probablement en Allemagne parce qu'au vu des accents, tout ça reste un peu nébuleux. Voilà, et donc dans lequel un père de famille, une sorte de sosie hirsute de Chris Marquez, de Danse avec les Stars, tue accidentellement son enfant, voilà. Son enfant qui est d'ailleurs fan de poupées au physique dégueulasse. Bon, folle de chagrin, sa mère, à force de prière, va réussir à transférer l'âme de l'enfant dans le corps de la poupée. Poupée donc qui se voit baptiser ensuite Robert, par un vieux gars qu'on ne connaît pas. Là, nous nous retrouvons dans la chambre, la chambrette, la chambre d'enfant, de 6 mètres carrés à peu près, de Staline agonisant. Ambition. Là, on découvre deux officiers russes, dont une jeune femme à l'accent très marqué, donc qui roule des R et qui roule également des yeux. Et là, il se débarrasse du médecin traitant de Staline avec une violence pas violente. Et surtout très cheap. Plus tard, dans un bar, et toujours sans aucun rapport, le vieux qu'on a aperçu au début se met minable tout seul dans un bar, sans doute pour oublier la misère de sa barbe postiche, en poil synthétique, dont on aperçoit même dans certains plans les traces de colle pas encore sèches. Bon,
après avoir gagné 4 minutes de long métrage, hein, qui je vous rappelle, en dure 77, avec une scène de roulette russe totalement chiante à mourir. Robert, la poupée moche, arrive enfin et nous en met plein la vue. Vous n'êtes pas prêts? Bon, bah c'est officiel, les deux agents russes du début du film ont eu une liaison. L'homme envoie la femme en mission, hein, buter un opposant au régime, et là, un avion passe dans le ciel. Pas exactement un avion de 1951, on était plutôt sur, je crois, l'Ilyushin. Là, je sais pas, je ne connais pas ce modèle, mais ça m'a l'air un peu anachronique. La mignonne du KGB bute donc l'opposant au régime, hein, apparemment grand fan de trains électriques, avec une absence d'hémoglobine qui confine à la pudeur, hein, et le tout en plus avec une arme magique qui projette de la lumière sur la victime, mais rien au niveau du canon. C'est connu, après avoir commis un meurtre, l'ennui s'installe souvent et on a une furieuse envie d'aller voir un spectacle de marionnettes. C'est la base. Là, le vieux nous présente ses trois marionnettes, hein, dont les prouesses nous laissent pantois. Vopet, Miss Cyclops, and Kolesnikov. La jeune stagiaire du KGB, observant discrètement le vieux par sa fenêtre, apprend l'impensable. Les poupées sont vivantes. We share our food, our toys, and most of all, our love. Now, Papa's not that angry at the moment, but he can get ferocious. Et devant sa hiérarchie, elle se met donc à tenir un raisonnement dont je ne partage pas forcément les conclusions. If he can get dolls to life, perhaps he can use his powers to help the Tsar avoid death. Tiens, l'avion repasse dans le ciel. Bon, prochaine mission de la môme KGB. S'offrir les services du vieux, hein, désormais connu sous le nom de Blackwood, pour tenter de sauver Staline. All we are seeking to do is to make a business deal with you. I have 50,000 rubles I can offer. All you have to do is come back to Moscow with me and use that power of the book on the side. Sinon. Et quelques secondes plus tard, elle est elle-même tuée par une marionnette possédant une mitrailleuse flash. Bon, son chef n'ayant plus de ses nouvelles, hein, son chef est amant, il décide de partir à Kaliningrad, hein, avec deux hommes de main, ce qui permet pour la troisième fois à ce foutu avion totalement anachronique de passer. Là, le trio embarque le vieux, oui, qui en fait n'est pas mort, me demandez pas, son livre magique, dans un avion, un petit avion qui semble avoir été caché dans la forêt, hein, bizarrement. La routine. Qui, visiblement, redevient un 747 au moment du départ. Hein. Il se voit même doté d'une cuisine. Mais quand je vous dis une cuisine, c'est une cuisine, hein, avec un chef, avec une toque, la totale. Coco slow. I think it's you the slow. Et soudain, l'un des personnages a une sorte d'éclair de lucidité, comme s'il venait de découvrir
le film. I'm going to take a shit now. Bon, c'est pas le tout, mais comment pouvoir tester les pouvoirs magiques du vieux binoclard? I'm not a man who likes to take risks. We should test it. And how do you propose we do that? Romanov. Yes, sir. Allez, apprendre en s'amusant. Comment dit-on what the fuck en russe? What the fuck? Pardon? What the fuck? Pardon? What the fuck? Ah. Ok. Bon, les marionnettes du vieux Blackwood prennent le pouvoir à bord de l'avion et j'ai quand même le sentiment d'être en train de regarder une merde innommable. I wipe my ass with your feelings. Ok. Au cas où ça vous aurait échappé, les dites marionnettes ne peuvent qu'effectuer un seul mouvement, le tournage de tête, hein, et très très lentement. Bon, vous l'avez compris, pour les raisons essentiellement économiques, j'imagine. Bon, Romanov, qui a servi de cobaye, hein, aux expériences du vieux, revient se venger avec une arme aux dégâts invisibles. Bon, le vieux fait détourner l'avion vers l'Angleterre, hein. Deux avions de chasse l'abattent et ce dernier s'écrase dans la mer. Avec, je l'avoue, des CGI acceptables. Mais bon, c'est toujours pas le bon avion, hein. Bon, il était vraiment temps que tout ça s'arrête, parce que le maquillage du vieux commence vraiment à partir en couille. Bon, ce petit film d'une heure 17 qui n'en finit pas de finir, va quand même finir en deux temps. D'abord par une phrase qui ne veut strictement rien dire. A hero is someone who understands the responsibility that comes with this freedom. But of course, freedom can only benefit those who know how to use it. Et par un magnifique plan de Londres, censé se situer en 1951, alors que là on est plutôt en 97 à vue de nez. Alors nous devons ce petit bijou à ce fameux Andrew Jones. Alors Andrew Jones est né en 83 et est scénariste, producteur, réalisateur. Hein. On se fait pas chier, ça reste en famille. Et depuis des années, il produit ce genre de petit nanar qu'on qualifiera volontiers aussi de nanar de poche. Ça coûte, comme je vous disais, rien à faire. Hein. Alors, plutôt que de prendre des risques avec des super productions blindées de stars, non, il préfère produire ces tout petits films qui, du coup, peuvent intéresser des plateformes peu regardantes. Je me comprends. Parce que c'est pas cher. Voilà, donc c'est une autre économie du cinéma. Quand vous faites un film pour, j'en sais rien, allez, 15 000 $, et ben écoutez, qu'on vous le rachète 60 000, tout le monde est content. Et c'est une façon de gagner du fric sans trop prendre de risques. Voilà, donc toute la filmographie d'Andrew Jones est à l'avenant. Que des merdes, pas cher, joué par des potes. Et toujours avec une espèce de sérieux sentencieux qui confère effectivement au ridicule. Voilà, bon, pour revenir à ce Robert Triborn, bah écoutez, c'est ce premier degré qui vraiment, j'allais dire, fait sa force, non, fait sa faiblesse, hein, parce que quand même ça génère beaucoup de rire, hein, alors que ça voudrait tirer le film vers le haut, mais ça ne fait qu'enfoncer le clou de l'aspect nanardesque de la chose. Donc voilà, c'est. Mais dans le genre fauché, ringard et qui n'a pas honte, c'est quand même. À voir, voilà, une fois, pas plus. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez envie de découvrir ça sur Netflix, grand bien vous fasse. Moi je vous dis à très bientôt pour certainement une critique de film classique. Je vous dis à très bientôt, continuez à aller en salle et merci de me suivre. Et pour les autres, bah, abonnez-vous, ce serait cool. Merci, ciao.